Voici ce qui se passait la semaine dernière à Moulinsart. Mes chers amis, j'ai fait une découverte extraordinaire. Voyons, où est-elle? Serait-ce ici, professeur Tournesol? En effet, mon cher Tintin, examinez bien ces pièces secs. Quel bachibouzouk ose nous déranger? Au nom de la loi, ouvrez, capitaine Haddock. Nous avons l'ordre de veiller sur une certaine découverte. Entrez, mais entrez donc. C'est très léger. Non, mais est-ce que j'ai la berlue? On dirait des pépites d'or. Mes amis, goûtez à ma découverte. C'est délicieux, c'est sucré et c'est bon à croquer. Je dirais même plus, c'est sucré et c'est bon à croquer. Et voilà comment ma céréale a pris naissance. Elle s'appelle Tintin. La nouvelle céréale Tintin. Légère, dorée, sucrée et bonne à croquer, elle est délicieuse. Et chaque boîte vous réserve une belle surprise. Dès cette semaine, demandez ma céréale, la nouvelle céréale Tintin. C'est sucré et c'est bon à croquer. Mais j'ai la berlue, ce sont les Dupont. Bienvenue à bord, chers amis. Quel bon vent vous amène? Nous avons l'ordre de surveiller vos bagages, mon cher Tintin. Mais pour quelle raison? Des espions veulent s'emparer des pépites d'or que vous transportez secrètement. Des pépites d'or? Mais oui, capitaine, le cadeau pour mon ami Chang. Nous protégerons votre précieuse cargaison au prix de notre vie, s'il le faut. Ah, enfin arrivé. Je me charge d'appeler les pousse-pousse. Bien sûr, nous savions que les pépites d'or et les céréales Tintin, c'est tout comme. Je dirais même plus, nous le savions. Chang et sa famille seront heureux de connaître la fameuse découverte du professeur Tournesol. Les gloufes, ta céréale vraiment délicieuse, Tintin. Évidemment, mais le sabot, puisque c'est une céréale de riz. C'est si léger et si bon, un vrai délice. Désormais, nous ne mangeons que la céréale Tintin. Comme le disent nos honorables amis Dupont et Dupont, c'est sucré et c'est bon à croquer.